Salut tout le monde! Alors, bon, mais je suis pas très, très bonne devant la caméra, mais pour les besoins de la cause, je vais vous montrer un petit peu une introduction sur comment se positionner sur son vélo pour être confortable, pas se blesser. Puis après ça, je vais vous montrer un peu les positions et comment, comment moi je vais vous donner des résistances dans les cours. Donc, pour le positionnement, en fait, ce qu'on veut, c'est que le dos soit droit, le genou, quand on met la pédale à terre, il y a quand même une petite flexion ici, c'est pas comme ça, donc quand on est un petit peu comme ça, que le mieux, c'est plus confortable que vous êtes, ben, le mieux que vous allez être, mais vous allez vous ajuster au fur et à mesure que vous allez en faire. Pour ce qui est du volant, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise penché, vous pouvez le lever. Fait que quand on commence, on peut l'avoir un petit peu plus levé. Puis quand on est positionné en position numéro 2, il y a une petite flexion dans le coude aussi. Alors, on n'est jamais bloqué. On va toujours garder une petite position. On essaie de garder les mains relaxes. Donc, quand moi je vais parler de position de guidon, il va y avoir la position 1. Si la position 1, ça va être quand on va vouloir faire des sprints. Quand on va faire des sprints, là, 1, 2, et puis la position 3, qui est surtout quand on va se lever debout. OK? Pour ce qui est de la résistance, moi, je travaille en pourcentage. Donc, quand je dis 50%, c'est un moulinage. Ça, c'est un autre terme que je vais utiliser beaucoup. C'est le moulinage, c'est quand on veut juste pédaler pour faire comme du millage. Donc, 50%, c'est pas de résistance, mais assez quand même pour pas pédaler dans le vide. Quand on va faire des sprints, on va vouloir que le dos saute pas et les fesses sautent pas. Parce que c'est là qu'on se blesse. Fait que 50%, quand on le trouve, en fait, c'est qu'on s'en va à 100%. Fait qu'on va aller 100% jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de pédaler, ça c'est notre 100. Après ça, vous allez enlever à peu près 5 coups de poignet. 3, 4, 5. Ça c'est notre 50%. Donc chaque coup de poignet, c'est un 10%. Mais les vélos, ils diffèrent beaucoup. Fait que vous allez y aller vraiment selon votre rythme, selon vos capacités aussi, mais aussi selon la musique. Fait que disons que j'ai une musique rythmée qui me dit, vous regardez mon coup de pédale, on va vite. Ben, on va aller à 50%. Le but, c'est de faire monter les puissances cardiaques. Des fois, on va monter des côtes, on va s'en aller à 70, 75, 80%. Puis là, on va aller faire un petit peu de musculation, puis monter une côte. Et ça, je le dis tout dans les côtes. Alors, c'est ça. Puis, vous positionnez votre vélo là, vraiment pour être confortable. Puis, justement, quand on mouline, là, le dos ne devrait pas bouger du tout. Du tout. C'est comme ça qu'on sait comment bien positionner. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que première fois qu'on fait du spinning, on va avoir mal en allant entre jambes. Deuxième fois, ça va être encore dur parce que la veille, on va avoir eu mal. Mais la troisième journée, plus de mal pantoute. Fait que on lâche pas. Faut au moins taper 3 jours. Et alors, c'est ça. Les prochaines vidéos vont être des cours de spinning de 45 minutes.